Bonjour, je vous parle donc à 14h48, excusez-moi, du titre Soitec. Soitec vient d'exploser à la hausse et c'est une alerte haussière puisque regardez, nous avons cette ligne, cette résistance ici qui est en train d'être testée. Vous le voyez, nous avons eu un fort gap ici. Vous savez que les cours aussi n'aiment pas les vides. Cette action est en train de sortir du penny stock et ça c'est intéressant parce que ça peut intéresser donc le marché. Il faut savoir que le marché asiatique a commencé de rentrer sur cette valeur et la nouvelle direction dont Paul Boudre a pris les commandes donc de la direction a fait de multiples AK, mais de ses augmentations de capital, il a réorganisé la société et il prépare l'avenir de Soitec pour 2025 avec le G5. Donc on est en train de voir l'avenir sur cette société, donc pourquoi pas cette valeur qui pourrait exploser et revenir à ses cours d'horizon, c'est-à-dire revenir donc sur les zones des 1,60, laquelle elle a volé depuis depuis le 2014. Donc on pourrait revenir sur ce zéro horizon-là dans une optique MT-LT. Voilà pourquoi il est très bon de surveiller ce débordement et cette poussée que nous avons actuellement. Si je regarde maintenant en mensuel, regardez, donc on retrouve ce gap ici et vous voyez qu'avec Soitec on arrive de loin. On arrive de loin par les augmentations de capital. Les augmentations de capital étaient nécessaires pour faire rentrer du monde dans le capital et pour reformer donc cette société. Voilà pourquoi donc il faut s'y en intéresser et la suivre un petit peu. Donc possible comblement de gap 1,56 horizon moyen terme, long terme avec un objectif de sortie G5, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Au revoir.